Salut tout le monde les gens, ici Babouliné pour le 7ème épisode de notre let's play sur Shadow of the Colossus sur PS4. Soyez les bienvenus. J'espère que ça va pour, excusez-moi, j'en oublie mon intro. Donc on se retrouve, on s'est quitté la dernière fois, nous sommes toujours au promontoire vert qui est le temple qui est au cœur de la carte et avec lequel et où nous recevons nos infos pour les prochains, pour les colosses à battre. Je vais y arriver. Et la dernière fois nous avions vaincu le 6ème colosse Barba dans une ruine plantée dans le désert. Et aujourd'hui on va l'affronter le 7ème colosse qui d'après l'indice se cache dans une ruine engloutie dans le lac. Avant de commencer, je vous rappelle que vous pouvez me citer des moments épiques et les failles avec les hashtags associés, hashtag épique, PIC, hashtag fail et failles, plus le moment exact que les voir, juste à la compile. Et sans plus tarder, deux notes. Alors la première, ce sera sur le décor, mais j'y viendrai tout à l'heure. Le plus important, c'est rétablir un truc qui a été dit dans ma vidéo de lundi dernier, vous savez, la fameuse mauvaise nouvelle que je vous ai annoncée. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, je vous fais un résumé très bref. En rentrant du travail lundi dernier, j'ai eu la désagréable surprise de voir que des gens s'étaient introduits chez moi et m'avaient volé ma Switch et tous mes jeux de PS4. Donc, je vous laisse imaginer que j'avais un petit peu les boules et j'avais fait une vidéo disant que ça allait affecter la chaîne parce qu'il y avait par exemple Link's Awakening qui devait commencer dans un peu plus de 2 semaines qui risque de pas pouvoir être fait. Et j'avais notamment dit que Shadow of the Colossus serait mis temporairement en pause. Mais, il y a quand même un truc qui est vachement bien fait, c'est que Shadow of the Colossus est un jeu de la catégorie PlayStation Hits. Les jeux PlayStation Hits, ils coûtent 20 balles. Ajoutez à ça le marché de l'occasion. J'ai pu me retrouver une copie du jeu sans grande difficulté et du coup on peut reprendre le let's play normalement. L'autre note, vous remarquez que je suis pas tout à fait à la même place par rapport à ce que vous voyez d'habitude dans le let's play Shadow of the Colossus. Là normalement là je suis devant mon ordi et là je suis sur l'écran qui est juste à côté. En fait ce qui se passe c'est que quand j'ai enregistré l'épisode 7 là, quand j'ai enregistré le gameplay que vous voyez là, ça m'aidait bien mon gameplay, je préfère le préciser, que je clique sur le bouton pour arrêter l'enregistrement de la facecam, j'ai eu un message d'erreur et le fichier ne s'est pas enregistré. Donc je vous refais les commentaires en différé. Donc on va commencer dans un premier temps par repérer la direction dans laquelle se trouve le colosse. Il a l'air de se trouver plus ou moins à l'opposé par rapport à où je me trouve. Donc si je regarde la carte plus ou moins vers le nord, donc il va falloir qu'on trouve un lac et une ruine engloutie dans un lac quelque part au nord du promontoire. Donc c'est la direction qu'on va prendre et je préfère encore une fois prendre une petite seconde, une petite minute pour préciser que oui, ce que vous voyez là, c'est bien mon gameplay. Non, parce que on m'a déjà fait le coup, c'est pour ça que je pense que vous me croyez si je vous dis que c'est mon gameplay, mais j'ai déjà eu des petits cons, parce que là, il n'y a pas d'autre mot pour désigner ces personnes, qui quand j'avais fait des commentaires en différé, avaient trouvé le moyen de dire « C'est pas toi qui joues, babou, gna. Oui, parce que je vous imagine vraiment aussi débile que ça quand vous tapez des commentaires dans ce genre. Enfin, en tout cas, ceux qui les tapent, hein. Pas, voilà, vous voyez ce que je vais dire. Parce que bon, déjà de base, vous allez voir, rien qu'en regardant le gameplay, qu'il y a des choses qu'il n'y a que moi qui suis capable de faire. On parle bien sûr de fail. Vous êtes chez Babouliné, j'ai un niveau de qualité à respecter, bordel. Et puis, accessoirement, imaginons que j'ai pris les images de quelqu'un d'autre pour ce let's play. Déjà, premièrement, quel intérêt? Je veux dire, j'ai le jeu, j'ai la console, j'ai le matos pour l'enregistrer. Ce serait un peu con de ma part d'aller prendre les images de quelqu'un d'autre. Surtout en plus de ça, et sans lui demander. Non, si je devais utiliser les images de quelqu'un d'autre, déjà j'irais lui demander. Parce qu'il y a un truc magnifique qui s'appelle la politesse. Et de deux, si j'utilisais les images de quelqu'un, vous verriez un bandeau quelque part, en tout cas une mention dans les images. Merci à un tel pour le gameplay. Voilà. C'est autant aplanir ce malentendu, de toute façon. Je me doute bien qu'il n'y aura pas ce commentaire de genre. En tout cas, maintenant, s'il y en a, ce sera uniquement pour la vanne. Je me doute bien que s'il y a quelqu'un qui met, après avoir vu ça, ce sera pour la vanne. Puis, de toute façon, je sais qu'il y a certaines personnes qui le feront juste pour la vanne, donc voilà. Et toujours est-il que voilà. J'arrête de dire voilà, voilà. Non, puis, pour dire, d'ici quelques secondes, vous allez voir un truc que... On va dire un truc dont moi seul suis capable. Ça arrive d'ici quelques secondes, vous allez voir. En tout cas, voilà. De toute façon, une chose est sûre, c'est qu'on va continuer à essayer de s'orienter à dos d'aggro. Et en fait, en voyant la physionomie de la map, en voyant l'endroit vers lequel pointent les rayons de l'épée, je me dis, ben tiens, il y a peut-être un deuxième colosse dans le lac qu'on avait affronté le deuxième colosse au début du let's play. Je sais plus comment il s'intitule, mais en tout cas, voilà, celui-là. Je crois que c'est Quadratus, peut-être. Et je me dis, voilà, vu que ça a l'air de pointer vers le bas, je me dis, ben attends, c'est de l'eau. La plupart des jeux m'apprennent que si tu sautes de très haut mais que tu atterris dans l'eau, il n'y a pas de souci. Et vous allez voir où je vais en venir ça. Ça a l'air d'être par là, mais je me dis, ah, c'est peut-être un peu plus bas. Parce qu'en plus, ça a l'air de pointer vers un point plus bas. Donc je me dis, peut-être que... Donc en plus, je voyais un truc là en bas, en dessous des rayons, qui me faisait me dire que le colosse allait sortir de là, une espèce de ruine.
Donc je me dis, allez, vas-y, je tente le coup. Donc déjà, je m'approche, il y a un mur qui me laisse pas passer. Et là, je me dis, rien à foutre. YOLO! Je me dis, bon, bah, je tombe dans l'eau. Sauf que voilà ce qui se passe quand on tombe de très haut. Pas un sec, notre bonhomme. Il est mouru! Donc voilà, donc sachez-le. Si vous voulez faire des YOLO du haut d'une falaise, même avec de l'eau dans Shadow of the Colossus, vous ne pouvez pas! Et comme je l'avais dit à ce moment-là dans l'enregistrement, c'est ce que nous appelons dans le jargon un fail! Enfin bon. Donc toujours est-il que comme on n'avait pas pris de sanctuaire sur le chemin, on repart au promontoire. Donc là maintenant, je sais ce qu'il ne faut pas faire. Donc on va regrimper sur ce cher aggro. Donc on va repartir dans la direction du nord, traversant bien les ponts. Sauf que cette fois-ci, mesdames et messieurs les gens, on va faire un truc qui est complètement oufistique. C'est qu'on va pas faire YOLO dans l'eau. Eh ouais! Faut que j'arrête de faire ce geste-là aussi. Remarquez, si je faisais ça, je pourrais faire sortir des conneries de mes bras, mais faudrait que je m'amuse avec le tracking et j'ai pas que ça à faire. Surtout que j'ai pas de monteur pour le faire. Mais ça coûte cher, les monteurs. Vous savez quoi, le temps qu'on se balade, moi je vous dis à votre santé. J'ai pas de raison que je boive pas un coup. Accessoirement, blablater pendant à peu près 28 minutes, il va se faire soif, comme on dit. Donc, on va retraverser correctement le pont et partir dans la bonne direction. Et je vais en profiter pour parler un petit peu de plusieurs choses qui avaient été évoquées dans les commentaires des 6 premiers épisodes. Parce que si vous vous souvenez ce que j'avais expliqué à l'épisode 1, justement, comme j'avais mes parents la semaine, chez moi il y a quelques jours, j'étais obligé plus ou moins de faire les 6 premiers épisodes à la suite. Parce que les épisodes 4 à 6, je pouvais pas les enregistrer. Mes parents étaient là le week-end où je devais les enregistrer. Donc là, je reprends un rythme plus ou moins normal. Et je vais réagir à 2 commentaires principaux. Le premier, c'était on m'avait donné une explication par rapport au lézard qu'on avait croisé à l'épisode précédent. Et apparemment, si je trouve un lézard qui a une queue blanche et que je le tatane et que je récupère la queue en question, ça devrait augmenter la barre de force. Vous savez, la barre jaune, l'espèce de barre circulaire avec l'espèce de petits aiguilles là. La barre que je surveille toujours. Voilà, la barre qui vient de s'afficher à l'écran. Bah, cette barre-là, elle augmente si je récupère des queues blanches de lézard. Bah, c'est un premier point. Et le deuxième, je sais qu'on m'avait demandé où est-ce que j'avais trouvé les noms des colosses. Alors j'avoue que plutôt que d'écrire premier colosse, j'ai regardé un petit peu, j'ai cherché s'ils avaient des noms. Et je les ai. Alors il y a pas mal de sites qui recensent les noms. Et j'ai trouvé ça notamment sur le wiki de la team ICO. Alors la team ICO, si vous savez pas, c'est les développeurs d'origine du jeu. Ils ont fait une trilogie de jeux. Il y a ICO sur PS2, Shadow of the Colossus à l'origine sorti sur PS2. Puis réédité sur PS3 avec un remake sur PS4 auquel on joue. Et au passage, on va prendre un petit sanctuaire, comme ça si jamais on fait n'importe quoi avec une belle acrobatie, eh ben, on repopera ici le drop au comptoir. Et le troisième jeu, c'est The Last Guardian. Alors The Last Guardian, je sais pas s'il est sorti sur PS3 ou PS4. On va demander à Google. Ok Google. The Last Guardian. Ok, donc date de sortie initiale, c'est ça que je veux voir. Ah non, The Last Guardian était un jeu PS4 sorti en 2016. D'ailleurs, tiens, petite question. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont joué à The Last Guardian et est-ce que vous me le recommanderiez? Parce que j'avais vu des images, j'avais vu des séances de gameplay, ça avait l'air pas mal, mais est-ce que vous pensez que c'est un jeu que je pourrais apprécier? C'est vrai que je l'ai vu la dernière fois, là, quand on était en ville avec mes parents, genre, on se baladait à la Fnac, je l'avais vu. Bon, il coûte encore 40 balles quand même. Mais je me disais, tiens, ça peut être sympa, peut-être pour un futur let's play ou simplement pour y jouer. Est-ce que ceux qui l'ont me le recommanderait, voilà, tout simplement. Et puis tiens, vous savez, tant qu'on est là, parce qu'on va encore avoir quelques minutes de chemin pendant lesquelles on va pouvoir blablater, j'ai vu que certains d'entre vous partageaient plus ou moins ma théorie sur le jeu, comme quoi on aurait le mauvais rôle dans cette histoire. Ce que je veux dire par là, c'est j'avais mis l'hypothèse, je sais plus si c'était à l'épisode 4 ou 5, je crois que c'était quand on affrontait Phaedra. Donc cette Phaedra, c'était le gros cheval de pierre dans la ruine. Et ça s'est surtout vu quand on a affronté Avion, le colosse numéro 5. Alors déjà, best nom ever pour un oiseau, les gars. Mais j'ai vraiment l'impression que notre personnage, que j'appelle affectueusement Jean-Michel, bah apparemment, d'après le net, il s'appellerait Wander. Wander, ça veut dire errer en anglais. Donc un voyageur errant, un vagabond, un nomade, pourquoi pas. Mais en tout cas, toujours est-il que j'ai l'impression que... Je préfère l'appeler Jean-Michel, c'est plus rigolo. J'ai tout quand même l'impression que notre personnage joue le mauvais rôle. Parce que je veux dire, ça m'a surtout frappé avec Phaedra et Avion. C'est des colosses qui finalement
vivent leur vie dans leur coin de la map et ne deviennent hostiles que parce que nous déclenchons les hostilités. Je veux dire, ils sont là dans leur coin, ils essaient pas forcément de nous attaquer. Je veux dire, regardez Phaedra. D'ailleurs, si on s'approche pas de lui et qu'on essaie pas de le taper, bah il va rien faire. Et tout ce qu'il fait, c'est aller voir. Et nous, ce qu'on fait, c'est pendant qu'il va voir, on lui passe derrière, on grimpe dessus, puis on fait « Allez !» On en fait de la bouillie. C'est pas très très drôle. Sûrement, si j'étais un colosse, ça me ferait un peu chier. Du coup, c'est pour ça, moi, j'ai tendance à penser... Je sais pas s'il y a quelque chose qu'il confirmera au cours du let's play, et je l'espère sincèrement, que finalement... Ça nous confirme que les colosses agissent plus en guise de protecteurs de ce monde et que ce soit des colosses bienveillants, concrètement. Je pense vraiment... Alors déjà, on voit un autre sanctuaire. Mais je pense vraiment que les colosses ne sont pas les méchants qu'on veut nous faire croire, enfin que la voix veut nous faire croire. Et d'ailleurs, j'aimerais aussi qu'on nous explique qui est cette voix, quel est son but, pourquoi elle veut qu'on la débarrasse des colosses. Parce que concrètement... Le mec, il a trouvé un pigeon qui est suffisamment con pour dire oui, pour aller tataner les colosses. Bon, après, je dis pas, ça donne des combats vraiment bien foutus. Ça, je veux bien le reconnaître. Mais ça fait un peu... voilà. Ça nous fait un peu passer pour l'enfoiré service. Ah, et puis, accessoirement, les jeux où on est le méchant sont relativement rares. C'est... Je vais dire, tiens, autre question du jour. J'ai déjà parlé de Last Guardian. Mais est-ce que vous pouvez me citer un jeu auquel vous avez joué, ou dont vous avez entendu parler, autre que Shadow of the Colossus, bien sûr, où nous incarnerions le méchant? Moi, à titre personnel, je peux vous en citer un. C'est un des premiers jeux indépendants. Alors, un jeu que je peux vous recommander parce qu'il est vraiment très bien fait, mais qui peut parfois être très difficile par moment. On remarque en plus ce saut bien glitché qu'on vient de voir. Le jeu en question, c'est Braid. Alors, Braid, en fait, la révélation, elle est faite à la toute fin. Parce qu'on croit finalement qu'on va sauver une princesse, le mec, il a l'air gentil et tout. Puis en fait, on remarque que quand on doit rattraper la princesse, en fait, non, c'est la princesse qui s'enfuit parce qu'elle veut pas nous voir. Et du coup, attendez, vous savez quoi, je vais demander, encore une fois, à Google. J'espère que vous n'avez pas des Google chez vous. Hein. Attends. Ok, Google. Dans quel jeu vidéo incarne-t-on le méchant? Il a fait un quart de ton. Voilà, top 10 des jeux vidéo, on est le méchant. Alors, si vous pouvez avoir autre chose que des vidéos, ce serait cool. Au pire, je vais taper ça dans Google pour essayer l'assistant. Alors, jeu vidéo où on joue le méchant. Voilà, parfait. On va avoir des exemples. Le problème, je vais avoir autre chose que des vidéos. Qu'est-ce qu'on a? Alors, c'est vrai que je suis en train de me dire, peut-être Hotline Miami 1 ou 2 doit être le méchant aussi, techniquement. Techniquement, ça me paraît pas totalement illogique. Voilà, Hotline Miami, ils les mettent. Bon, GTA, ouais, ça me paraît logique, on n'est pas un saint dans GTA. Hitman Blood Money. 47 serait le méchant. Remarque, c'est vrai que l'agence lui fait un sale coup dans Blood Money, de ce que je m'en souviens. C'est vrai que le dernier niveau, c'est vraiment une putain de... C'est vraiment littéralement une tuerie en règle. Ça se comprend. Et bien voilà, Braid, j'ai cité. Attends, dans... Ah oui, c'est vrai que dans le premier Knights of the Old Republic, on est le méchant, c'est révélé, ça. C'est vrai, mais techniquement, pas forcément, parce qu'on peut faire un choix... qui fait qu'on redeviendra gentil. Bon, évidemment, il y a Undertale parce qu'on peut faire la route génocide. God of War 2. Kratos, c'est le méchant de God of War 2? Ouais, je sais pas, je suis pas convaincu. Bah oui, Wario Land, parce que c'est le méchant de Mario Land 2 qui devient le héros de Mario Land 3. Mais bon, PD 2, c'est normal. Ah oui, la lame de Dunwall, où on joue d'autres, celui qui a tué l'impératrice, c'est pas bête. Attends, dans Bioshock... Ah, dans Bioshock, je dirais pas qu'on joue le méchant dans Bioshock, mais on est sous ses ordres. J'ai plus ça comme ça. Attends, il met Dr. Mario comme jeu où on joue le méchant. Le mec qui a mis ça sur Sens Critique, tu te foutrais pas un peu de ma gueule des fois? Sinon il y a quoi? Ouais. Oh, c'est déjà pas si mal. Hein. C'est déjà pas si mal comme... Mais si vous connaissez, voilà, des jeux où on incarne le méchant, n'hésitez pas à partager. Et c'est ça qui est bien, voilà. On blablate un petit peu. Plutôt que d'avoir des phases de déplacement. Voilà, merci cher canard. Qui sont peut-être parfois un peu... un peu pas très intéressante à regarder. Bah là, voilà, on blablate, on partage des théories, on parle de choses et d'autres. Et on active un sanctuaire qui est pas très loin de l'endroit où se trouve le colosse. Tout en plus, là, voilà, si je mets l'épée, ça va me pointer dans la direction de l'arène qui n'est pas très loin, vers l'ouest, du coup. Et donc, ça doit vouloir dire, si je ne dis pas de bêtises, que le colosse se trouve dans la case D1. Donc apparemment, il y aurait un lac...
dans une tour. En plus, ça a l'air de correspondre. Vous allez voir qu'on va arriver près d'une ruine avec une espèce d'arène qui me fait un petit peu penser à un passage de la plaine d'Hyrule de Twilight Princess. Vous allez très vite comprendre. Si j'ai vraiment l'impression, l'espèce de truc comme ça. Si je me souviens qu'en plus, il y a une zone. Enfin, c'est une zone dans Twilight Princess où tu avais des statues que tu pouvais faire bouger avec le bâton Anima pour atteindre différents coffres. Il y avait des rubis dedans. Dans la version HD, t'avais un tampon hyrulien, je crois. Et pas très loin, t'avais une. Un passage qui te permet soit d'avoir un quart de cœur, soit d'avoir un caractère pour accéder à Celestia. Il me semble que c'est un truc comme ça. C'est un expert en Twilight Princess qui peut confirmer ou corriger ce que je dis. D'ailleurs, vous allez voir, en parlant de référence à Twilight Princess, le colosse en est une belle. Mais voilà, en tout cas, on a une cinématique qui se déclenche. Ça veut dire qu'on a trouvé la zone. Maintenant, il ne reste plus qu'à trouver l'endroit pour déclencher la baston. Parce que bon, on est quand même venu pour se bastonner, non d'un petit canard en plastique. Oh, voilà, il va falloir accéder, je pense, à la tour en colimaçon qui est ici. Qui devrait nous permettre. Alors, je regarde bien comment s'intitule le colosse, mais je sais que si je clique en dehors de la fenêtre de la. Enfin, si je la réduis ou tout ça, la fenêtre de la caméra, ça va s'arrêter. C'est une deuxième prise de la deuxième prise. C'est très très con. J'avais réduit le truc, j'avais pas arrêté, j'avais réduit. Elle a fait non, j'arrête d'enregistrer. Ok, tu veux plus te voir, y'a pas de soucis, Doudou. Enfin bon. Voilà, donc en arrivant là-haut. Normalement, le colosse devrait se pointer. Ou alors il faut qu'on fasse en bas. Ou alors peut-être qu'on arrive voilà, au point qui est là en bas. Et normalement ça devrait faire. YOLO! Et c'est là que vous allez voir que j'ai élagué un petit peu parce que normalement, le fichier de base, j'ai la durée sous les yeux, durait 33 minutes 28. Bon là on a 29 minutes d'épisode, donc j'ai coupé à peu près 5 minutes de contenu. 5 minutes de galère un peu inutile. Puis des parties que je devais couper parce qu'à un moment j'avais dit allez, coupe, mais là c'est bon. Voilà. Mais vous voyez un petit peu la tronche du colosse. Je parlais de Twilight Princess il y a quelques temps. Ça vous rappelle pas un boss de Twilight Princess des fois? Genre le boss du temple abyssal qui s'appelait. Comment tu t'intitules? Bon, j'ai encore demandé à Google. Ok Google. Temple abyssal Zelda Twilight Princess. Ok. Puis en plus, c'est bien. Il a compris qu'il fallait mettre Puissance Zelda en premier. Et d'ailleurs, on salue les copains de Puissance Zelda s'ils regardent cet épisode. Alors, comment t'intitules-tu, monsieur le boss? Non mais... Comment t'intitules-tu, monsieur le boss? Tu t'intitules... Tu as un nom? Voilà, Octolacanthe, poisson fossile du crépuscule. Là. Il me fait penser à ce boss-là. Bon. Mais évidemment, pour grimper sur le boss, il faut attirer son attention, donc on va essayer de lui tirer des flèches. Mais le problème, c'est que l'eau, ben, ça arrête les flèches. Alors vous voyez, ça fait plouf, et la flèche remonte. Donc concrètement, je suis en train... faire quelque chose qui est complètement useless. Mais vous me connaissez, je fais toujours plein de trucs useless en me disant ah ça va peut-être marcher, mais en fait les trucs tout simples je les fais pas forcément. Donc là du coup j'essaie surtout de me souvenir comment on... je pensais que c'était R1 carré, mais en fait il se trouve que si vous mettez simplement R2 sur la manette quand vous êtes dans l'eau, votre personnage va plonger un tout petit peu, mais vous allez pas pouvoir plonger tout au fond. Là vous allez juste pouvoir plonger d'à peu près 50 cm. C'est pas pratique pour attirer son attention, mais techniquement, ça suffit parce que une fois que vous allez avoir attiré l'attention du boss, et que si vous n'y arrivez pas au bout d'un moment, vous allez voir la voix qui va vous donner l'indice, attrape la queue du colosse. Voilà, puis en plus, bah, les balances et les charges électriques, donc il faut qu'on bouge. En fait, quand il commence à faire ça, à un moment donné, vous allez avoir la queue qui va sortir de l'eau, et c'est là qu'il va falloir qu'on l'attrape au vol, donc en maintenant R2. Voilà. Quand il fait ce genre de mouvement, il faut réussir à se mettre dans le bon sens pour pouvoir choper la queue. Quand déjà on se prend des dégâts de l'électricité. Et voilà, si vous voyez que votre personnage commence à partir sous l'eau comme ceci, c'est que vous êtes accroché. Et en fait, ce qu'il va falloir faire, c'est que je crois que c'est le boss qui pour l'instant possède le plus de points faibles, puisqu'il en a en tout 4. Alors je vais voir si je peux arriver à en choper un déjà là. Bon déjà, j'ai fait l'erreur de lâcher. Et... voilà, j'arrive déjà pas à récupérer la queue du colosse, mais c'est comme ça qu'il faut faire. Et l'idée, c'est maintenant que vous êtes dans l'eau, il va falloir attirer son attention en nageant suffisamment près de lui pour qu'il fasse la fameuse séquence où il remonte. Et en remontant, il suffit de le choper au vol. Et en fait, quand vous le chopez au vol, vous allez voir ça d'ici quelques secondes. Il va remonter à la surface comme ça pour vous laisser plus ou moins une opportunité, pour essayer de vous dégager en se disant, bah, je vais respirer un peu, je vais peut-être faire un coup sec et il va dégager.
Sauf qu'en fait, c'est plus quand vous êtes sous l'eau qu'il faut faire attention, parce que quand il est en dehors, finalement, il est relativement inoffensif dans la mesure où il reste relativement droit. Mais bon, on va... là, il va me falloir encore un petit moment pour arriver à l'attirer et à grimper sur lui. Je crois que c'est en plus là que j'avais dit que je ferais ma coupure. Vous allez voir qu'il va y avoir une petite coupure d'ici quelques secondes. Parce que je crois que je vais louper la prise, parce que j'essaie justement d'anticiper en mettant dans le bon sens, genre en faisant à 180. Et voilà, au moment où la queue passe, ben je suis déjà à côté. Donc c'est là qu'il devrait avoir une coupure d'ici à peu près 3 ou 4 secondes. Voilà. Sauf que là je me remets dans une position où la baston va vraiment pouvoir commencer. Donc voilà. Donc on le chope au niveau de la queue. On attend qu'il fasse son passage sous l'eau. Parce qu'en plus de ça, la barre jaune elle sert aussi de barre d'oxygène sous l'eau. Quand la barre jaune est vide, votre personnage va vouloir remonter pour choper de l'air. Et voilà, maintenant on est dehors. Et on va commencer à pouvoir avancer sur le colosse pour essayer de trouver les points faibles. Vous allez voir que finalement, comme je vous l'ai dit, il est relativement inoffensif. Et c'est juste que quand vous êtes de près de l'eau, bah déjà votre personnage va avancer plus lentement. Et il va falloir s'accrocher. Voilà. Premier point faible, un point faible près de chacune des trucs électriques. Alors attention, déjà vous pouvez vous prendre des décharges électriques de 1. Et de 2, vous allez très vite le voir. Enfin, j'ai découvert à ce moment-là. Les points faibles près des trucs électriques n'ont besoin que d'un seul coup pour être inactif. Là vous allez voir, j'ai tapé plusieurs fois, mais vous remarquez que la barre de vie ne baisse pas. Mais ce point-là ne peut plus créer de décharge électrique. Quand je remarque voilà, que la vie ne baisse pas, je me dis bon bah ok, il faut que je continue. Il y a un autre point faible plus loin. On va aller s'en occuper. Et là, hop, on remet un petit coup d'épée. Boum. Et là vous voyez, remarquez que chaque vie, c'est à peu près, je sais pas, peut-être un 8ème la barre de vie, peut-être un 10ème, quelque chose comme ça. Et là voilà, il va refaire normalement un passage sous l'eau. Et on va en profiter pour avancer vers le prochain point faible. Alors voilà, par contre voilà, il va repartir tôt, donc il faut qu'on s'accroche. Et les phases sous l'eau, faut surtout surveiller votre barre jaune. Et tenir le temps que le colosse remonte à la surface. Parce que voilà, quand la barre commence à clignoter et qu'il reste trop longtemps sous l'eau, voilà, le personnage n'a plus d'endurance, donc je suis obligé de lâcher. Bon, vous voyez que le personnage ne meurt pas, il a pas l'air de perdre de points de vie. Mais il a dû lâcher et il va devoir regagner la surface pour que la barre jaune se remplisse à nouveau. Et voilà, on a une belle illustration de ce que je vous expliquais à ce moment-là. Et maintenant, il va falloir qu'on l'attire à nouveau pour aller faire les points. Voilà, déjà, aller tataner le dernier truc qui crée des éclairs qui est vers l'avant de sa tête. Et je pense trouver un dernier point faible qui se situe sur sa tête. Enfin, pas qu'il y ait deux doigts qui se situe sur sa tête parce que, bah, comme je vous l'ai dit, c'est du différé, je l'ai déjà fait. Voilà, merci, bonsoir. Et le problème, c'est que comme notre personnage est relativement lent sous l'eau, bah, il va falloir se mettre un peu pour être en mode « Eh oh, monsieur le colosse, je suis là, viens là que je te tape !» Genre comme ça. Là, on sait qu'on est en bonne position. Enfin, on est en tout cas en mesure de l'attirer. Et donc, il faut qu'on arrive à le choper au passage. On devrait réussir théoriquement. Et... voilà, c'est bon. On est sur lui. Il faut juste que tu nous ramènes vite hors de l'eau parce que ma barre elle est plus. Genre elle est comme ça quoi. Allez, tu peux le faire. Voilà. Comme ça on va pouvoir avancer. Vous avez remarqué quand même à quel point la barre jaune se remplit vite. Donc maintenant on sait qu'on peut esquiver les deux premiers points faibles parce qu'on les a éclatés. Et maintenant il va falloir qu'on aille vers celui qui produit encore des. Non, voilà, ce plan. Non, parce que voilà, je voulais juste vérifier que ça prenait plus de dégâts. Donc maintenant j'en ai la certitude, je sais qu'il faut qu'on aille vers le... je sais pas comment on peut appeler ça, je dirais pas un paratonnerre mais l'espèce de générateur d'électricité, en... la corne électrique, voilà, on va appeler ça une corne, plus un aileron, ouais un aileron tiens c'est bien. Donc l'aileron qui est encore actif et qui crée des éclairs, bon évidemment comme il bouge et qu'il passe sous l'eau faut qu'on tienne. Allez, on va se rapprocher du troisième point faible, on s'accroche et boum. Donc voilà, là il ne peut plus faire d'éclair, il a perdu à peu près une petite trentaine de pourcents de sa vie et le dernier point faible s'offre à nous. Et là bah, c'est pas compliqué, entre deux passages à la... dans... voilà, dès qu'il passe à la surface, on charge un coup, on tape, on charge un coup, on tape. Ah on en fait de la brochette, hein, on en fait du unagi, du sushi à l'anguille. On va en parler de takoyaki parce que le takoyaki c'est au poulpe, c'est très très bon d'ailleurs, le unagi aussi... Ah, tout est saloperie à base de poisson, moi je peux. Je serais pas très objectif à ce niveau-là. Voilà. Et là, bah rien de bien compliqué. On enchaîne les coups dès qu'il est à la surface en chargeant un minimum
pour infliger plus de dégâts. Sinon, vous devriez pouvoir mettre un coup par passage à la surface. Deux maximum, je dirais. Mais voilà, vous voyez que la barre de vie, il reste encore, je dirais, 2 à 3 coups et on est bon. Ça me paraît pas trop mal. Ouais, là, 2 coups maximum. Et on a tatané notre 7ème colosse. Allez, tu me le tatanes, mon petit? Ah bah non, c'était le dernier coup. Et du coup, le fameux BOOM! Et ça fait, voilà, une pluie d'éclairs, donc trophée. Vaincre le 7ème colosse. Donc 45% des joueurs l'ont eu, d'accord, très bien. Donc on revient au jeu. Voilà, donc on va assister à la mort du colosse. Qui, encore une fois, je préfère le rappeler, ne nous avait rien fait. N'est-ce pas? Il est bon de le préciser. Et bon, il va s'effondrer au fond du lac. Et nous, voilà, on va techniquement reprendre le contrôle de notre personnage. En attendant que les ombres viennent s'emparer de nous pour revenir au promontoire vert et obtenir des infos sur notre prochain adversaire. Et rendez-vous compte qu'une fois qu'on aura tatané le prochain colosse, on aura fait 50% du jeu. 50%, mesdames et messieurs les pimpons. C'est pas rien. Allez, voilà. Donc les fameuses ombres s'emparent de nous. On va voir le tunnel qui ressemble à la réincarnation dans Borderlands. Ceux qui ont joué à Borderlands voient de quoi je veux parler. Donc on devrait théoriquement avoir une 7ème ombre autour de notre personnage gisant par terre. Et non pas Gisèle par terre. Hein? Non, je vais pas lui dire de poser sa bière, il est pas bourré. Voilà, donc on va vers la lumière. On revient dans le temps. Oh, c'est bon, j'ai un arrondissement, tout va très bien. Donc voilà, notre personnage est entouré des ombres. La 7ème idole va se briser. Donc l'idole de Monsieur le Colosse. Vous allez voir son nom en titre de toute façon. Je crois qu'il a un nom japonais. Je sais plus comment il s'appelle. Ou alors c'est le 8ème qui a un nom japonais, je sais plus. Enfin bon. Notre adversaire est vaincu. Notre personnage va se relever. Là va vous dire hey, Lyonk, le prochain il est par là, Pichu Nouloulou. Pas vrai? Alors. Qui est mon prochain adversaire? En tout cas, quel est-il? Où aurais-je plus de chances de le trouver? Votre prochain adversaire est... Il rampe dans sa rotonde au tréfonds de la forêt. Comme une ombre, il escalade les murs. Donc, s'il escalade les murs, c'est probablement un lézard ou un insecte. On verra ce que c'est au prochain épisode. Mais bon, la caméra va revenir sur notre personnage. Et du coup, mesdames et messieurs les gens, c'est là-dessus que je vous propose de nous quitter pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir regardé ce nouvel épisode de Shadow of the Colossus et je m'excuse encore pour les commentaires en différé, mais c'est un problème que je n'ai pas pu éviter. J'espère malgré tout que ça vous a plu, quel que soit votre avis. N'hésitez pas à me le faire savoir en cliquant sur l'un des petits pouces en bas de la vidéo, ça fera toujours plaisir. Si vous pouvez laisser un commentaire, partager la vidéo, à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait ou à parler à la chaîne autour de vous si le cœur vous en dit tout ça, vous le savez. Les moments épiques et les faits avec les hashtags aussi, vous connaissez la musique. Si vous voulez soutenir financièrement la chaîne, vous avez un lien vers la page outil dans la description. Je voudrais encore rappeler que ce n'est pas obligatoire. Et en attendant de partir vers les tréfonds de la forêt pour affronter notre 8ème colosse, et bien je vous remercie encore 1000 fois d'autres soutiens, ne changez pas. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye.